Non, ils m'ont pas frappé, ils m'ont pas du tout frappé. C'est lui, il m'a vraiment poussé avec la voiture. Il reculait, il m'avait pas vu, et bam. Et il t'a reculé dedans. Ouais, c'est ça. Et tu sais quoi, je te le dis, pour te remonter le moral, tu vas pouvoir faire un truc exceptionnel. J'écoute. Tu peux aller à l'avant de l'ambulance, exceptionnellement. Je suis quand même chaud. Mets un petit coup de code 3 juste pour lui faire plaisir. Après, tu l'éteins. Oh, les lumières. On va pas se quoi faire là. Non, non, celui de Grove Street. Celui de Grove Street, hein. Oh, ok, ça marche, attends. Nickel. Bah écoute. Qu'est-ce que ça te fait? Ça fait tout frais, tout hein. Content, là. Ça fait drôle, hein. Ça fait frais, hein. Cette fois-là, je suis content. Ouais, puis il est à l'avant d'une ambulance, il est heureux, hein. Ah ouais, hein. Tu veux que je mette les lumières? Allez, vas-y, juste pour ce croisement, juste pour lui faire plaisir. Vas-y. Tu vois, c'est différent, hein, l'arrière à l'avant, hein. Ah ouais, hein. Vas-y, enlève-les, on va se faire engueuler. C'est 250 000 ou 500 000, je sais plus. J'ai oublié. C'est le SUV 500 000 ou ça. Voilà, c'est lui. Je vais demander à monsieur Davy. Après, je suis pas sûr qu'il ait réussi à avoir l'autorisation de l'acheter. Hein. Ouais, passe par la gauche, ça sera plus simple. Voilà. Tu vas tout doux par contre, on a un contresens. Hein. T'inquiète, t'inquiète. Voilà, merveilleux. Nickel. Je vous attends là. Oui. Oui, tu restes prêt à partir. Une petite astuce, fais-moi un doigt d'honneur par la fenêtre. Vas-y, fais-moi un doigt d'honneur comme tu faisais avant. Voilà, ça ouvre la fenêtre. C'est magique, hein. Attends, ça ouvre la fenêtre ? Oui, et tu m'entends mieux. Ah, oui. Okay. Non, on attend juste qu'il finisse de se raser le crâne pour se foutre de sa gueule. Et après, nous, on s'en va, il rentre à pied. Ça marche ? Je ne me déposerai pas à Grove Street pour voir la réaction des gens. Tu penses vraiment qu'ils vont être chaleureux et tout ? Ouais, donc t'as raison, je fais demi-tour déjà. Vas-y. Ah, c'est pour moi, madame, c'est moi qui paye, hein, je... Ouais, c'est lui. Regarde ça, ce beau gosse, on dirait Davy. Manque plus que le bandana, t'as pas encore tes couleurs ? Non, malheureusement. Non ? Encore longtemps pour les avoir ? Ils attendent que je devienne grand. Je suis pas assez grand apparemment. Alors comment ça se passe chez toi? Mais t'as pas longtemps, ils vont dire. Elle est en train de finir les détails de sa coupe et... Parfait. Je vois tout par là, c'est exceptionnel. Ça repousse vite, t'inquiète pas, d'ici 3 jours t'auras de nouveau une belle touffe. J'espère. J'ai pas assez d'argent. Ah, combien ça va te coûter cette histoire? $500. Ah, tu sais quoi, c'est pour moi, comme ça au moins tu seras beau. Merci, merci. Beau, j'ai du mal à croire. Eh, hey, tu t'aimes Davy? Il est beau, non? Oui. Eh ben, tu vas lui ressembler. Il peut pas ressembler à Olivier. Il est trop charismatique. Arrête, t'es magnifique. Ah, on te laisse ici ? Au mieux c'est ici, oui. Bon, bah, on le dépose et on y va direct. Ah bah. Vas-y, monte. On te ramène, tu vas hors France, sinon et ta tête. Bah, il est à Grove Street, non ? Non, c'est bon, j'arrive au quartier, il me dépose. C'était derrière nous, tu tournes ici à gauche. Ouais, je tente ça. Alors attends, passe sur le trottoir. Juste au LCD, faut qu'il y a posé. Ouais, LCD, c'est quoi ça?
Au LTD, non, on fait demi-tour, c'est pas là. Ah, ah demi-tour ? Ouais, demi-tour. Ok, attends. Elle t'oubliera pas, hein. Le pansement, tu l'enlèves doucement. Hein. Je vois pas le pansement, c'est pas ma priorité là actuellement. C'est comme oui, oui, et t'oublie pas, attends, on t'a pas mis. Où, à gauche. À gauche okay. On ne t'a pas mis du fil résorbable. Tu dois venir demain enlever les points de suture. Ouais. Ok. Là, là, à gauche. Magasin. Ah, le magasin, ok. Ah, ok. Ça marche. Bon, bah, on te laisse là alors. Merci. Parfait. Là, que pour la blessure, je vous dis merci. Prends pas froid. Tout bon. On est des monstres. On est des monstres, Maxine. On est des monstres. Oh mon Dieu. Ça y est, j'ai créé un démon. Maxine, elle va tondre tous les gens qui ont mal à la tête maintenant. Oh, mais surtout sa voix qui a changé quand j'ai pris la tondeuse et que j'ai fait. Est-ce que tu l'as prévenu que t'allais le tondre ou pas ? Si, si, je l'ai prévenu. Enfin, non, je l'ai pas prévenu. J'ai attendu que tu sois là pour lui faire comprendre en fait. Ok, d'accord. Oh là là. Ah, et tu sauras que j'ai tout enregistré.